Pierre Lachambeaudie, l'hirondelle et le chien. Octobre commençait, l'automne sur son aile ramenait les frimas précurseurs de l'hiver, et l'on voyait déjà s'enfuir une hirondelle quittant le toit propice à sa famille ouverte. Un chien de la maison active sentinelle lui dit: tu pars, tu quittes ces lambris où tu trouvas de chauds abris, où chacun admirait ta naissante couvée, où par votre présence on se croyait béni, où comme un saint trésor on conservait ton nid. L'hirondelle répond: l'époque est arrivée où sur ces toits hospitaliers fondent les ouragans que l'aquilon déchaîne, où viennent des hivers les corbeaux familiers. Mes compagnes et moi, nous allons par milliers, cherchant pour la saison prochaine un vent plus frais, un ciel plus bleu. Au retour du printemps, nous reviendrons peut-être. Adieu. Pour moi, que l'ouragan gronde au toit de mon maître, ou que de beaux soleils lui donnent de beaux jours, soumise à son destin, je lui serai fidèle. Courtisans, faux amis, parasites, toujours quand le ciel devient noir, imite l'hirondelle.